Décision ça, YouTube prend, frappé tout YouTuber haïtien, quel que soit que toi vive dans le monde là, excepté États-Unis d'Amérique, ou bien si c'est un YouTuber qui a vécu dans un pays qui a un accord avec États-Unis, accord de contribution taxe. Dans la vidéo ça, je vais expliquer si vous êtes un YouTuber ou pas. Frapper des décisions ça, on va comprendre ça, bralzi là. Décision ça, YouTube prend, il y a environ un an, depuis décision ça entre en vigueur, madame, monsieur, et il y a de graves conséquences sur le monde qui fait YouTube, spécialement, qui vivent dans l'autre pays et qui gagne un public qui vit aux États-Unis qui assiste vidéo moun sa yo. YouTube yo souffri de ça, peut-être yo pas parlé de ça, même décidé faire vidéo ça moun éclairci pour montrer nous comment YouTube lui-même lorsque ou fait l'argent. Mais le 21 arrivé dans moi, YouTube pral payer, AdSense pral payer, il y a une taxe que li retirer pour toutes views que ou même ou fait sous États-Unis d'Amérique. Ou pas vivre dans pays non, mais YouTube faut payer pour la donne, ou payer pour malgré pas vivre aux États-Unis. C'est ça, moi pral expliquer nous dans vidéo ça. Bienvenue dans Pam CL, le janvier déjà me dit nous. Yon gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Big up pour tout le monde qui continue à assister nous aux États-Unis d'Amérique. Malgré tout ça, YouTube a pas fait. N'abtenez vos détails. Bonjour, bonsoir tout le monde. Justement, je vais parler de décision ça que YouTube prend qui gagne conséquence sur YouTubeur qui ont même à vivre dans pays tant que Brésil par exemple qui c'est cap à nous. Donc côté que YouTube lui-même li retire yon taxe de 30% sous toutes views que vidéo YouTubeur a gagné sous États-Unis. Ou même qui c'est haïtien qui a fait YouTube, qui a vu Brésil ou bien dans l'autre pays, qui frappé par décision. Ça, on comprend très bien ça, me dit là. Comment pour faire pour ou à produire vidéo ou chita ou produire vidéo, travail vidéo ou faire tout à fait normal ou poster moun kap gado là, li paye internet ligne. Li fait plan internet li m pa konnen, donc li gade ou le livre li et qui est qui paye pour moun sa assister, c'est ou même encore ce que YouTube exige 30% de tout visionnement qui sorti aux États-Unis d'Amérique pour tout l'autre youtubeur qui pas vivre ou qui pas habiter aux États-Unis. Justement, j'en capable remarquer l'image là, donc nous capable gagner une valeur de 431 $ 74 US. Donc nous capable gagner un signe moins devant US 322 $ 91. Donc ça c'est valeur qui lui-même allait directement sous compte là après que YouTube lui-même lui fin retirer Jean Gabriel moins US $108 $83. Donc nous capables là les marqués est ensemble tributus nous États-Unis de ce conforme stipulado. Donc ça c'est retrait que YouTube fait par rapport avec comme taxe que li retiré de 30% que sous chaque views que vous gagnez aux États-Unis. Par exemple, si vous faites $1 US aux États-Unis pour tout le monde qui garde, eh bien YouTube li retiré 30 centimes là-dedans, madame, monsieur. Ça fait $100 en total pour tout le monde qui regarde aux États-Unis d'Amérique. AdSense ou bien YouTube, les vini, les retirer $30 là-dedans. Parce que, ou,
supposé payer 30% comme taxe et par rapport à tout ce qu'on fait aux États-Unis comme views. Donc, c'est situation ça qui gagne pour un YouTuber qui est même li à vivre au Brésil ou bien dans l'autre pays qui par États-Unis qui pas gagné encore avec question taxe aux États-Unis. Ou pas besoin de dire, ça n'est pas bienvenu du tout. Mon achetal fait vidéo, il fait tout à fait normal, il poste vidéo. Il y a monde qui regarde, le public qui regarde, le public qui regarde, gagne internet li, li paye internet li. M'pa kwè que YouTube obligé retirer nan kòb moun nan ki paye li même internet li pou regarder ça vle contenu vle. Donc pour YouTube retirer nan kòb. M'estime que li pas intéressant du tout même lorsque m'pa tande yen youtubeur ki parle de ça, même te vle faire vidéo ça parce que et YouTube et voyez et formulaire baou pour remplir sous compte AdSense pour remplir donc côté que si ou même ou pas vivre aux États-Unis d'Amérique donc toute vieux aux États-Unis ou a gagné 30% cap sorti là-dedans. Donc si un cas ou pas rempli formulaire ça donc ou après ou payer presque 100% de tout vieux zonien qui sorti aux États-Unis d'Amérique, ça c'est appelé pire. Si vous pas rempli formulaire, donc on pratiquement perdu tout vieux offert aux États-Unis d'Amérique. Pas oublier, il y a un monde qui a un channel en créole, donc aux États-Unis. Donc c'est il y a un public qui est très fort, qui est très important pour moun qui fait vidéo en créole pour haïtien qui yo même fait vidéo qui a produit sur YouTube. Après États-Unis, on capable joindre République Dominicaine, on capable joindre Chili, Canada. Donc pays ça yo qui vini tout de suite après États-Unis. Parfois Haïti qu'on arrive en tête des listes comme monde qui assistait channel yo comme pays qui assistait vidéo sur channel yo plus, mais États-Unis c'est très souvent li rive en tête des listes comme public qui assistait channel haïtien dans le monde là. Donc ou imaginons on perd du 30% sur toutes views ou fait aux États-Unis d'Amérique chaque mois, donc n'est pas intéressant du tout. Parce que mon met carte sur téléphone, il fait plein internet li ou bien il gagne internet li pour garder ça vle. Donc YouTube pas obligé à retirer nan comme youtubeur parce que youtubeur va habiter aux États-Unis d'Amérique ou pas habiter dans un pays ou obligé à payer taxes dans le pays. Hein? Vous trouvez ça va intéressant ou pas habiter dans le pays mais ou payer taxe dans le pays qui ça taxe à YouTube prend pour mon États-Unis gardo là li itilou qui ça itilou est-ce que si vous t'a déplacé aux États-Unis ou ajouter taxe ma connais moi donc trouvez ça intéressant. C'était vidéo ça me voulait partager avec nous. M'espérer dans pas trop longtemps YouTube capable retourner sur décision ça parce que il va intéressant du tout. Donc par quoi que son décision cap durer pour longtemps. Merci. Non pas monsieur Elmuller janvier, moi était content pour me partager contenu ça avec nous. On croise tout de suite dans prochaine vidéo.